take our Blackbird out for a joyride. Stop calling about it! Hey, Deadpool, it's Domino. So, I got another contract for you if you're interested. The coin is good, so just let me know. Oh, and regarding that other thing you texted me about, I can't. I mean, it was just supposed to be that one time, and I... Anyway, just call me. Deadpool, it's Peter Della Penna from High Moon Studios. You know, the guy you kept calling dickhead when you cornered me in the parking lot the other night? Anyway, looked over your proposal. Not gonna pretend I understand any of it, but the answer is no. We're gonna pass on your big game idea. What? He said no? That was our chance to be in our own video game. Maybe we shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's gonna call back. Oh, yeah, because of the... Deadpool! Hey, this is bullshit. A script? Like some dingus word writer's gonna know better than me how to show how amazing I am. Amazing is more Spider-Man's thing, really. Yeah, right. What's so amazing about that? Click. Hey, what's that? You guys tracking my every move now? But I haven't even accomplished anything in this game yet. And there's another one. Oh! Eh ben, salut à toutes et à tous, c'est Sauve23, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ce jeu, Deadpool, le jeu du héros de Marvel, complètement disjoncté, vraiment pas dans sa peau. Le jeu est plutôt cool, c'est un jeu édité par Activision, développé par Light Moon Studio. C'est un jeu du genre action, il est sorti pas longtemps, il y a peut-être 4 jours, maximum 3 jours. Bref, ici on peut interagir, on peut visiter, on va respecter la maison. On peut interagir avec beaucoup de choses, par exemple ici on peut boire. Enfin, moi je vais pas trop tourner autour de cette maison, sauf pour voir un peu la pizza ici, pour voir le... la maison où il vit, qui n'est pas trop ordonnée, ce n'est pas son job, le ménage. Enfin, bref, on va directement commencer par ouvrir la porte pour commencer la mission, la première mission. Underwear? Are you trying to say underwear? Hello, hello, sir. I have a package. Oh là, le fail. J'avais tapé trop tard. Donc là, il a un package. C'est quoi? C'est un livre. Je suis vraiment désolé parce que le jeu est en anglais. Même si ce sera chez en anglais, pas pour seulement cette vidéo, la prochaine. Sûrement, ça va être en français. Enfin, je parle du sous-titrage, de langage, je ne suis pas si sûr. Bref, là, j'ai passé. Je vais directement aller au tutoriel qui va être plutôt pour vous. Enfin, pour apprendre à jouer, enfin, à combattre. Puisque le jeu est principalement il y a un peu du genre du style Spider-Man comme dans tous les héros, les jeux des super-héros, on doit combattre, on va massacrer des méchants. Et là, je suis en train d'apprendre de faire des attaques lourdes, des attaques simples, des attaques rapides, des triple attaques pour enchaîner les combos, parce que ça va être vraiment très utile dans le jeu. Voici des quelques méchants que je vais commencer à combattre. Dommage, il ne bouge pas sans un genre de cobaye, juste pour qu'on apprenne à jouer, enfin à taper dessus. Donc il nous donne quelques instructions pour combattre. Là on enchaîne pas mal les combos X18, X19. Ça me rappelle un peu Batman. Déjà il y a plusieurs jeux de super-héros. Deadpool, je crois qu'il était présent sur un jeu de combat. Le jeu de Capcom, c'est Marvel X Capcom, un jeu de combat qui réunit les héros de Marvel et les héros de Capcom. Sinon ça c'est son propre jeu action. Comme par exemple les jeux des héros de Marvel, comme les X-Men, Wolverine, je parle aussi de Spider-Man, qui a un peu le même style de jeu. Superman, et pas d'autres, il y a plusieurs. Ok, ça c'est quoi?
Eh ben là, c'est ce jeu devient un peu de plus en plus drôle, surtout ici. Je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Je crois que c'est bon, faut pas jouer trop. On va aller à l'objectif suivant, en espérant qu'on commence la mission, la première mission, parce que là c'était un peu un tutoriel élargi pour vous montrer comment jouer la première élimination, plutôt cool là-bas de Deadpool. Et là, il y a des jetons que je vous conseille, je vous conseille de les prendre tous. Pourquoi? Parce que ça aide à améliorer des compétences. Là, c'était des armes, améliorer les armes, et, comme dans tous les jeux, améliorer vos objets ou vos compétences. J'aurai pas l'occasion de vous montrer ça pour cette vidéo. Ce n'est pas grave, tout ce que je vais louper sur ce jeu, je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo. Donc là, ça nous montre un peu comment aller d'un endroit à l'autre, d'un côté à l'autre, comment sauter, comment se déplacer. Il a plutôt Deadpool, il a plutôt un look d'un ninja. Donc là, on va faire un double jump pour aller de l'autre côté. Laws of physics be damned. Ici aussi plutôt. Et là, on va devoir nous dégager un chemin avec du C4, du TNT. Et là, ça va faire mal. Et c'était plutôt dans le toilette des hommes. That's what happens when you mix C4 with a bean burrito. Now be honest. I'm not the old one. Merde, ils balancent toujours des blagues un peu pourries qui ne font pas rire, sauf si vous le comprenez. Très bien. Enfin bref, là, je vais commencer à combattre, et là je vais vous montrer les armes que je peux utiliser. Il y a deux pistolets, deux armes à feu que je peux améliorer, et je peux en acheter d'autres avec les jetons que j'ai pris tout à l'heure. Je peux en acheter d'autres armes, améliorer d'autres armes, des compétences. Ça, je vais en revenir après peut-être. Et ça, c'est un peu un toom, une attaque spéciale quand vous êtes entouré de plusieurs ennemis qui sont plutôt féroces. Vous pouvez les tuer d'un seul combo, un seul toom, une seule technique, une seule attaque. Là, ce sont des ennemis plutôt un peu plus je vais essayer de tuer tout le monde. C'était la téléportation, que c'est un genre de contre-attaque. J'ai oublié de parler de ça pendant le tutoriel juste avant. Et là, les enchères. Deux. Que je vais éliminer facilement. Il me donne trop de munitions et j'aurais pas vraiment besoin de ça. Ils m'ont bloqué tous les accès pour accéder à l'autre étage. Là, je crois que je vais devoir tirer, voilà. Je crois que ici, plein d'ennemis vont m'attaquer. Cette fois, ce sont des ennemis armés, donc je dois utiliser mes armes à feu pour les tuer à distance. Sortez vos têtes, espèce d'enfoiré. Donc Deadpool n'arrête pas à faire des blagues tout en jouant, tout en tirant, tout en tuant des méchants. Ça fait pas trop rire, franchement. Comme je disais, vous pouvez bien sûr améliorer plusieurs armes, acheter des armes, ça je reviendrai après, peut-être dans la next vidéo, la deuxième partie. Sinon vous pouvez les attaquer avec vos épées. Il a un peu le même style de Spider-Man, un peu le style de Spider-Man dans le
les techniques de combat. Donc là on va recharger nos armes, il n'en reste qu'un seul qui est plutôt... Allez, viens ici, viens. Donc on peut voir que quand on se fait tirer dessus, on se fait taper dessus, notre jauge de vie, ça baisse et ça se régénère parce que Deadpool a un pouvoir de régénération cellulaire, comme il avait dit dans la première vidéo. Le pauvre, il était un peu effrayé. On va le suivre, on va le tuer sans doute. Deadpool. Ça c'est quoi? On peut pas l'avoir. C'est trop tôt dans le jeu. Ok, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. On va prendre... je vous conseille de toujours... Oh, c'est quoi ça? Oh, c'était un bonus. Je vous conseille de prendre toujours les quoi? Ça s'appelle comment? Et voilà les jetons, parce que ça va vous aider pour améliorer vos compétences de combat. Et on a acheté plusieurs trucs. Là, j'ai activé l'ascenseur. Et ça a déclenché une panne d'électricité. Donc là, je vais en avoir plein d'ennemis d'un seul coup. Là, je suis entouré d'ennemis. C'est le moment de faire l'attaque spéciale. Sachant que ces tomes, ça s'améliore avec les améliorations des combos. Enfin, des... enfin, d'armes. Ça, j'en reviendrai après dans la deuxième vidéo. Qui arrivera juste après celle-ci. Donc là, ce sont des ennemis plutôt coriaces qui peuvent contrer mes attaques avec... leur truc qui le tient dans la main, un truc d'électricité. Ça va être un peu difficile de les combattre, mais bon, pas trop. Donc le principe pour tuer ces ennemis rapidement, il faut les taper. Aller derrière eux avec la téléportation. Les frapper dans le dos. Et quand ils sont à terre, vous les enchaînez avec un petit combo. Et ils meurent tout de suite, rapidement. Ou plutôt, vous les leur tirez dans la tête avec les deux pistolets. Après, dans le jeu, un peu plus tard, vous pouvez améliorer vos deux armes à feu. Ou ces armes, ces deux épées. Vous pouvez en acheter d'autres. Et vous pouvez aussi acheter des mitrailleuses, des mitrailleurs. Il y a plein de compétences que je vais avoir la possibilité de vous montrer dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas que dans la fin de cette vidéo, il y a un petit bonus que je vous ai réservé. Donc là, je les enchaîne pas mal du tout. Il en reste quelques-uns. Oh, ça c'est une belle attaque. Je l'ai pas vraiment trop réussi. Ok, là j'ai tué tout le monde. Je vais continuer. Tout droit vers l'objectif suivant. Il y a toujours des ennemis partout. Ces ennemis sont plutôt coriaces. Oh là, c'est un petit bonus que je ne dois pas rater. Je l'ai eu. Ça augmente. Enfin, à chaque fois, ça vous donne quelque chose. Bon, bref, cette vidéo c'était sur Deadpool. Je vais vous laisser d'une minute à l'autre. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On se voit durant la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que après cette scène, il y aura un petit bonus qui va vous faire rire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. I'm crazy for feeling. This must be my stuff.